Everybody be cool. You be cool. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Installez-vous, installez-vous. On se met en place. Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai changé un petit peu les caractéristiques de mon micro. Je sais pas si ça change grand-chose, mais bon. Manifestez-vous. Parfait. Logiquement, le son devrait être un chouïa meilleur. Je ne saurais pas pourquoi. Même pas, en fait. Même pas. Enfin bon. Pas bien grave. Ce soir, au programme, deuxième partie de Soma. On s'était arrêté devant une porte. Et je crois que ça va arriver plusieurs fois d'ailleurs. Je ferai sans doute un autre stream d'un autre jeu entre temps pour faire une petite pause du code de Portal 2, mais ça c'est encore à voir, je pense. Voilà, ça c'était pour le côté annonce. On va peut-être pas perdre plus de temps. Je vais lancer le jeu. Je coupe le son momentanément de mon ordinateur parce que je pense que ça peut gueuler, on sait jamais. Et voilà. Bon, en tout cas, je suis content que ça vous ait plu, enfin que le dernier stream vous ait plu. Je sais pas quand est-ce que je continuerai la suite déjà, vu que je transporte mon PC à la fin de la semaine ailleurs. J'espère que le jeu va se lancer, hein, je viens de le lancer. Oui! Alors si vous avez des problèmes de correction gamma sur le stream, comme j'ai dit la dernière fois, c'est normal, c'est le jeu. Hein, j'ai réalisé qu'il n'était pas énormément visible en replay, enfin qu'on voyait pas grand chose. Et moi-même je vois pas grand chose, donc je vais sans doute monter un petit peu le gamma du jeu. Je sais pas si ça changera franchement grand chose, mais bon. Bon alors déjà, que retenir pour ceux qui n'ont pas vu le stream de Soma la semaine dernière, c'est que c'est un jeu qui pour le moment ne fait pas énormément peur. Il donne des coups de sang, mais pas plus. Pas plus, pas plus. Quelque chose qui est un peu regrettable parce que sur le plan frayeur, Alien faisait déjà mieux, beaucoup plus tôt dans le jeu. Mais bon, je ne vais pas être médisant tout de suite. Vu qu'on n'est qu'au début. Voilà. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez l'image? Est-ce que vous avez le son? Je fais une deuxième vérification au cas où. Logiquement, ça devrait être bon. Je me lance. Donc, vous voyez, je n'ai pas touché du tout à ma partie. Je n'y ai pas dû toucher, mais vraiment pas du tout. Et donc, on va reprendre là où on s'est arrêté. J'étais sur le site Upsilon. Ah, s'ils veulent. S'ils veulent. N'hésitez pas à me faire part s'il y a des problèmes de stream, des problèmes de son. Hein, on fera attention. On fera attention. Donc j'avais oublié, on a un personnage qui s'appelle Simon Jarrett. Donc je refais un petit peu le topo. Il a eu un accident de la route récemment. Il a le cerveau. Il a la boîte crânienne qui sienne régulièrement. Et donc là, il avait rendez-vous pour un scanner. Et ça avait l'air assez expérimental. Et donc, le médecin, qui à mon avis n'est pas médecin, l'a mis dans une machine bizarre qui ressemble à la machine dans laquelle on a mis Schwarzenegger dans Total Recall. Le chargement est super long. Je ne sais pas pourquoi. Et il s'est mis à rêver d'être dans une station. Alors on ne sait pas si c'est une station... Enfin si on sait. C'est une station qui est sous l'eau. Et pour le moment, on sait qu'il n'y a personne, qu'il y a des robots un peu bizarres qui nous foutent des tartes, et qu'on est super blessé après. Voilà. voilà, donc appuyez sur une touche pour continuer. Ah bah c'est fantastique. Donc après, un chargement d'une plombe, on va peut-être pouvoir se lancer un peu. Je laisse le son de mon côté, sinon j'entends plus rien. Et donc on s'est arrêté sur une porte. Je vérifie que tout va bien.
J'avais fermé vu que j'étais poursuivi par un monstre. Est-ce que je peux le réouvrir? Ah ouais, je peux le réouvrir. Et du coup, je referme, parce que ça ne sert à rien. Et l'autre principe du jeu, c'est de pouvoir mettre des doigts dans la plupart des trucs que vous rencontrez. Notamment là. Et ça fait généralement rien du tout. Ou ça fait ça. Là, on est bien avancé. Le jeu sauvegarde, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça c'est une carte. Donc il y a des signes chinois, japonais, je ne sais pas. En bas, là. Alors on ne sait pas trop où on est hein, géographiquement. On va lire les notes. Le bureau met la clé sous la porte et tout le monde est évacué. Au nom de tout le monde ici, je tiens à vous dire que ce fut un honneur de travailler avec vous, Ypsilon. Bonne chance pour l'apocalypse. Donc ça se passe en 2103. Bon. Première nouvelle. T'es pas au courant. Ouais. Lisbonne. Les dernières initiatives prises par la communauté internationale pour empêcher la collision ont échoué. Pathos 2 doit tout mettre en œuvre pour faire face à l'inévitable séisme qui suivra l'impact. Bon d'accord, donc en fait on était sous l'eau pour éviter un rocher. Ça me rappelle un jeu. C'est avec une profonde tristesse que je vous informe que le bureau va fermer et qu'il ne pourra plus soutenir Ypsilon et Pathos 2. J'en profite pour vous remercier, vous, votre superviseur, Jen Adams, ainsi que tout le personnel. Pff, ok. Un peu chiant en fait là. Je sais que vous avez de meilleures chances de survie, mais nous, on a la plus belle vue. Ok. Bon. Bah, c'est fantastique. J'ai tout vu, je crois. Peut-être pas ça, là-bas. Données corrompues détectées. Restaurer les fichiers. Ouais, c'est une bonne remarque. Je pensais aussi à BioShock avant que je commence le jeu. Mais on est plus quand même sur un truc du genre Alien Isolation. Ce que j'aime pas trop dans ce genre de jeu là par contre, c'est quand ils mettent beaucoup trop de trucs à lire pour essayer d'imbriquer le scénario. Je rappelle que le début du jeu a commencé par une citation d'un bouquin de Philip K. Dick, qui est un auteur de science-fiction qui a connu le succès après sa mort, donc il devait avoir 50-55 ans. Et le seul film qu'il ait pu voir réaliser de lui, je crois, c'est Blade Runner. Et il a pas vu la fin de la réalisation d'ailleurs. Et Philip K. Dick, c'est un mec, sa spécialité, c'est de trancher, de briser les frontières entre la réalité et la fiction, et éventuellement l'humanité et tout ce qui est le domaine de la robotique. Et dans le stream précédent, on a remarqué qu'il y avait un robot qui parlait, et qui était persuadé d'être un être humain. Et je crois que c'était un élément relativement intéressant, et qui j'espère sera développé par la suite. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'étaient pas là la dernière fois. Comme dans Skyrim, sauf que dans Skyrim c'était bien fait. Liaison Lumar interrompue. Entrée manuelle requise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ok.
Ah. Ok. J'ai connecté un truc, je sais pas ce que j'ai connecté, mais j'aime pas trop. D'accord. C'est tout? Bon. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jarrett, Simon Jarrett. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on? C'est un terminal qui permet d'entrer en liaison avec les autres sites ou zones de la base I sous-marine, je have crois. Some. Ouais, what je pense que c'est have? Ça, ouais. Bah, c'est Where ça, do en you fait. even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but... I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know, robots don't feel anything, so. Yeah. Intéressant, intéressant. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Bah, je sais pas. How do I get there? Moi je veux bien hein. Ah. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Soyez les bienvenus. Ah là là. Les problèmes des bases sous-marines. Oh là. Le mec il est direct dans une combinaison sous-marine quoi. Quoi? Ok, ok. Alors il y a un autre truc qui est flippant quand même, c'est que je suis sous l'eau, je devrais pouvoir avoir le pouvoir de nager. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ah si, peut-être. Ah non. Ah non, non. Bon, bah, c'est fabuleux. Donc je suis sous l'eau. Ah d'accord. C'est un peu rigide ça, comme... Moi direct, si j'étais à sa place, je remonterais direct à la surface. Ou quitte à rien y trouver et à mourir affreusement dans notre souffrance, mais... Ouais, ça a l'air profond quand même. Mais bon, logiquement, si on voit encore un peu de lumière qui vient de la surface, c'est que c'est pas si élevé que ça. Il est à quoi? Il serait à combien à peu près? C'est combien la distance à peu près pour apercevoir la surface visible d'une d'un je vais trouver mes mots moi d'un de la surface d'un océan. Je crois que c'est plusieurs kilomètres hein, mais c'est pas beaucoup. C'est formidable. Là j'ai présentement j'ai deux choix. Tu ne peux pas nager car ta combi est lestée.
Certes. Ça doit être ça. 15 mètres. 15 mètres, c'est pas beaucoup. 15 mètres, c'est pas beaucoup. Ce qui me dérange, et je précise que je n'ai pas vu de wall truc de ce jeu, c'est cette question. Ton personnage est-il humain ou autre chose? Parce que là, avec ce qui vient de se passer, je me demande encore plus. Je pense qu'à mon avis, ils le font exprès. Ils le font exprès, et à mon avis, ils essayent d'entretenir une sorte de confusion. Qui est déjà une confusion entre le réel et ce qu'il rêve, à mon avis, depuis qu'il est dans la machine dans le début du jeu. Et je pense qu'à mon avis, il doit s'adapter à son propre rêve. Si c'est un rêve. C'est chelou, je trouve. Mais j'aime bien. Moi, je l'ai fini, je dis rien. Bon, après, je suis pas contre deux, trois petites solices, des fois, hein, parce que... Je suis pas quelqu'un qui a une logique débordante, je précise. Merci de respecter mon ignorance. Bon. Ça, c'est vrai. Mais encore, c'est mon avis, je pense que s'il mettait un miroir ou une surface réfléchissante, il ne modéliserait pas le reflet. Il faut rester appuyé. Ni spoiler, il y aura un miroir à un moment. J'ai hâte. Donc ça s'ouvre pas. Mais c'est formidable. Je sais que je peux sprinter un peu, donc je vais en profiter. Par contre, il a exactement la même inertie de course que quand il est pas sous l'eau. 1000 mètres pour le noir absolu. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est 1000 mètres. 15 mètres, on voit encore un peu de la lumière, je pense. Tout le monde se demande encore quelle gueule a le gars d'Amnésia. Peut-être que c'est le Slender, le mec d'Amnésia. Théorie intéressante aussi, d'ailleurs. À partir du centre, tu vois déjà plus grand chose. Bah, j'imagine. Bon, de toute façon, à moins de 10 mètres, je serais déjà mort de trouille, perso. La même inertie de mon intérêt grandissant pour la nature du gars. Pas faux. C'était très intéressant, j'ai pas écouté. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une machine qui a tué Carl. Je suppose que là c'est la machine qu'on a débranchée la dernière fois. Alors les streams sont disponibles sur la HFR TV dont le lien est en bas. Voilà. Ma playlist, c'est la playlist Elle Cool. Pour ceux qui veulent suivre le stream, bien entendu. Sinon, il y a plein d'autres vidéos très bien dessus. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça, par contre, c'est un petit peu... Ouais, help me, le mec, il est rouge. Moi, je m'abstiens de l'aider. Hein. Je sais pas du tout où je vais. Epsilon. Il semblerait que je sois arrivé. C'est quoi ça? Bon, il s'est quand même rendu compte que les rochers c'était lourd. Je sais pas ce que j'ai activé du tout. Mais ça me suit.
pas. Je sais pas ce que j'ai activé, mais bon, c'est pas grave. Oui, ça me suit, effectivement. Intéressant. Je suis suivi par une sorte de robot télé. Ouais, c'est exactement ce que je me disais aussi. On dirait une grosse télé façon années 50 dans Fallout. Sauf que c'est sous-marin. Bon, je vais toujours vers Epsilon, si j'ai bien compris. C'est labyrinthique, hein. Mais c'est à la fois très couloiresque. Mais j'en viens pas de là. Ça a pris un dégommé. Oxygène illimité, bizarre, ouais. C'est bizarre. Shuttle Station. Super sympa. Bon, je suppose qu'après je vais me faire. Ah, il s'en va? Bon. C'est mieux ainsi, je suppose. Ça, c'est pour dépressuriser, je suppose. Logiquement, il devrait plus avoir de combinaison symbiotique, logiquement, après. Bon, apparemment, on s'en fout. Let's hope the shuttle still works. Ouais. Je vais donc éteindre la lumière de mon bureau. Parce que je ne vois déjà plus rien. Ah mais c'est pratique, maintenant ils se font plus chier avec les conventions du jeu vidéo, hein. Il n'y a plus le moment où je trouve une lampe torche, le moment où je trouve une arme. Non, maintenant je les ai automatiquement, c'est tellement plus simple. Est-ce que j'ai vraiment envie d'appuyer dessus? Est-ce que le son ça va? Je répète, hein, j'insiste, mais... le son par rapport au contact que j'ai avec le clavier, la souris, surtout. Impeccable. C'était vraiment très intéressant, encore une fois. C'est juste un coup d'œil là, ça coûte rien. Merci. Bah, je suis content qu'il soit bien réglé. Putain, c'est putain de sombre. D'accord. On récupère de la santé, je suppose. Quoi? Quoi? Jesus Christ! What the hell? Ah, on fait pas que mettre des doigts, on fait des fists aussi. Fist.
ça doit être une énigme. Ok, c'est une comète qui s'est écrasée sur la Terre, donc. J'aime bien, une réunion d'urgence va être organisée au site Theta pour réfléchir de l'avenir de Pathos 2 et de l'humanité. Ça voudrait dire que ça serait une station non humaine. Ou quelque chose comme ça. C'est 12 janvier de l'année 2103, je crois. On a le temps. Au perso, je pense que je serai plus là. Vidéo. Oh, dégueulasse, un vieil artwork. C'était vraiment très intéressant, encore une fois. Bon. Je suppose qu'il y a moyen de faire quelque chose ici. Je ne sais pas trop quoi, mais il y a peut-être moyen. Donc je suppose que ça c'est pour activer la RAM. Peut-être falloir que je retourne dans l'eau, je pense. Pour redistribuer l'énergie. Connerie du genre, je pense. Ça donne envie de réinstaller Dead Space et BioShock, ce jeu. Ça me donne envie de rejouer Alien Isolation. Ah ouais, non, c'est une énigme que je dois vraiment faire. D'accord. Ou alors je me suis auto-bloqué. J'aime pas trop quand les jeux font ça, mais bon. Du coup, la lumière se rallume pas là, en fait, c'est ça. Ah, d'accord. J'ai bien vu qu'il me montrait le robot soudeur, mais.
J'avoue, j'aimerais bien qu'on m'explique. C'est que c'est pas très accueillant, heureusement que je suis pas claustrophobe, mais bon, tout de même. Et c'est ce que je me suis dit aussi, mais je peux pas ressortir en fait. Bon bah c'est bien. Elle a dit qu'elle allait le régler comme. Hein, mais bon, donc là-bas il y a la maintenance, d'accord, mais. Oh! Bonjour, je suis un débile mental. Cordialement. Très très cordialement. On n'a pas trop besoin de la lumière. Mais enculé de rire exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, are you? Don't hurt me. Bah non, j'ai pas l'intention. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. D'accord. I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. C'est flippant. C'est très très flippant. Je crois qu'il y a moyen d'acheter des branches. Shit. Are you okay? Non non. Are you okay? I don't know. I want to go home. Non non, mais je vais réessayer. Enfin, c'est assez évident, hein.
Mais du coup, je peux repartir. Parfait. Ça va, vous? Hop là. Je kiffe et je suis... Ah bah voilà. Et pas belle la vie. Bon, la porte s'ouvre pas. Mais j'ai au moins gagné une navette. Qui s'ouvre toute seule. Mazette. Le mec, il a fait ses listes de courses. Y'a rien de mangeable là-dedans. Fera pas long feu. Ça va être à utiliser, ça. Ça me rappelle les SAS qu'il y avait dans Alien Isolation, mais en fait ne mettait personne en sécurité parce qu'il était quand même dans les SAS, ce con. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Tarfoula? Ah, d'accord. Ok. Ah, faut s'asseoir. Oh. Ah oui. Omicron, c'est un coin d'œil à Dark Souls. Enfin, Dark Souls à Nomad Soul, là. David Cage, là, tout ça. Là. J'avais dit qu'il fallait que j'aille où déjà, moi. C'est Theta, je crois. Salut Adrien, comment tu vas? Je croyais que j'étais sous l'eau. Non, ça fait pas peur. Non, non, pour le moment, j'ai opéré un fist il y a quelques minutes et j'ai tué quelqu'un. Sans grande fierté et sans grande difficulté d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. J'ai fait un petit truc en mode fistinière et ça m'a soigné. Et j'ai fait un petit tour aussi dans l'eau. Et en fait, j'ai mis automatiquement une combinaison et j'ai eu automatiquement une lampe torche. Voilà. En fait, les mecs se font plus chier du tout avec la narration basique d'un jeu vidéo. Ah bah ça, c'est ce qui arrive quand tu mets pas ta ceinture, hein. Tout de suite. C'est voilà, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est ta gueule, c'est magique, c'est ça.
Un peu comme Bioshock Infinite et Bioshock 1. Encore environ combien de streams pour le torcher? Bah je sais pas, autant de streams dont j'aurais besoin. Et puis je pense qu'à mon avis je vais faire un stream avec un pote pour Portal 2. C'est quoi ça? Ah! Oh c'est pratique! Ah j'aurais aimé avoir ça dans ma 205 récemment. Oh! Ouais, j'ai bien envie. Je l'ai jamais fait et j'ai commandé les trucs Valve là. Le Steam Link et le Steam Controller et j'ai gagné j'ai gagné Portal 2 dessus. Donc je pensais que j'allais avoir Rocket League, mais apparemment je crois qu'il fallait précommander pour l'avoir. Enfin, précommander plus tôt. Catherine, est-ce que tu? Ah, c'est pratique de fermer la caméra comme ça. No, I'm not all right. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Hmm, super. Catherine? You okay? Mais Catherine, elle t'a coupé la gueule. Bon, j'aime bien quand même ce match, j'avoue. Mais au petit côté, je fais des petites phases. Je remplis des petites énigmes et tout ça, mais c'est vrai que dans Alien Isolation, la grosse marotte, c'était c'était l'alien, et puis surtout, c'était du fanservice à fond les ballons, alors que Soma, c'est un parti pris, un risque que j'aurais peut-être pas pris en tant que développeur de jeu, vu que personne connaît mon univers, et que Philip K. Dick, c'est quand même un auteur relativement obscur pour les non-initiés, un peu comme Lovecraft. Ouais, c'est une salope, hein. Voilà, fist. Maintenant, on a arrêté les doigts, apparemment, on met des fists. Mais c'est fabuleux, ça. Ça ne sert à rien. Et j'aurais bien aimé mettre le jeu en difficile aussi, mais apparemment il n'y avait pas de choix de l'option. C'est pareil, je comprends pas. Ah, super. Là j'ai cru comprendre qu'il fallait que j'ouvre une écoutille. Mais c'est fantastique, dites-moi. Peut-être allumer la lumière. Donc j'ai fisté ce truc et il y a de l'eau qui est sortie. Et ça ne fait rien de particulier. Ah, il y a un truc là. Bon, je dois avouer quand même que ça fait deux streams. Ça fait 3 heures que je joue au jeu en gros.
et que je n'ai eu peur qu'une fois, une fois et demie. Moi, j'ai quand même lu dans Canard PC qu'on avait quand même des fois un peu les boules. Oh. Contrôle du balai. Quoi? Ah bah je m'en fous, de toute façon je peux respirer sous l'eau. Non, je peux respirer sous l'eau. Y a pas de stress, y a point S. J'ai visité ce truc et de l'eau est sortie. Imagine à quel point cette phrase aurait été dégueulasse sans l'image. C'est pas faux. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Oh, quelle surprise! En fait, c'est Mad Max à l'envers. C'est devenu un monde post-apocalyptique, mais il y a que de l'eau partout. Bah, c'est l'océan Atlantique, mec. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il est grand. C'est sûr, il est très loin de ton studio au début de jeu, mais bon. Chacun a sa vision de la grandeur. C'est quoi ce bruit? L'impression qu'il y a quelqu'un qui pète sous l'eau là. Ou alors c'est mon estomac. Non, j'entends bien des trucs sous l'eau là. Des baleines. C'est bien de m'indiquer où je vais dans 350 mètres. Ouais, ça doit être des baleines. Tu ne parles pas baleine? Non, mais je sais que devant il y a un robot que j'aime pas du tout. Bon, je dois courir, c'est. Qu'est-ce que c'était que cette merde encore? En fait, on rencontre des ennemis, mais c'est quand même relativement scripté. Et je crois qu'ils connaissent qu'un seul chemin, en fait. Ils sont pas foutus de se renseigner sur l'endroit où tu vas, d'avoir un minimum de jugeote, même de se retourner à temps, en fait. Alors, j'avoue, j'ai eu un petit coup de sang, mais bon, c'est juste parce que, en fait, il s'est un peu énervé, rien de méchant. Certes. C'était quand même plus classe dans Bioshock 1. Et ça se passait qu'en 1959. Quoi ?
Poursuivre Catherine, succès déverrouillé. Bah écoute. C'est crade. Ah donc c'est ça que je porte automatiquement. Je suppose. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais je le regarde pas, je m'en fous. Osef. Orage. Je sais pas ce que faut pas que je regarde, mais. Regarde-le, non mais. Ah, je suis un peu plus tranquille, ça devrait aller. Qu'est-ce que c'est que ça? You too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it anymore. This is... Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of getting myself a time. C'est curieux. Ce dialogue vient de me... Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it in. Ils vont faire du sexe. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Lambda terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? Alors, tu la sors ta merde. Allez. Putain, la vache. C'est un gros machin. Baisse-la. On rappelle des streams, ça. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool. Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you're going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, silent. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh,
Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Same. What was it you said before? Are you from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. C'est tout? Check the computer in the other room. C'est une conversation que je trouve très... Pouf. Intrigante. J'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Je suppose que là, je dois aller dans l'autre pièce et que l'autre pièce, elle est bourrée. Il y a un enculé sur la route. Say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Ah, c'est pour rajouter de la santé, d'accord. Ça ne sert à rien de fister quand c'est inutile. Petit coup de son là. What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. There's really no way around this. A freaking comet killed the planet. Afraid so. You were all stranded down here. And we were the lucky ones. Ouais, 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 ouais. Bon, je suppose que la machine n'est pas loin. Je sais pas trop où je dois aller, j'avoue. Je suppose que je dois fermer quasiment toutes les portes. J'ai une carte de la zone, fantastique. Ça c'est quoi ça? Check the computer. Yes, look for anything about the Ark. D'accord. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible, by every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial,
can go on living through the reality of continuity. What the fuck? Je suis absorbé. Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Forêt mélangée d'arbres à feuillage caduc. Donc si je comprends bien au délire, ils allaient tous se faire planter par une comète. La surface de la Terre s'est fait raser la gueule. Il y avait des survivants dans des stations sous-marines, j'allais dire balnéaires, mais c'est pas les mêmes. Et donc du coup, comme ils voyaient que leur station était en train de partir en couille, ils se sont dit, bah comme on a réussi à fabriquer les stations, on devrait pouvoir fabriquer un canon géant qui devrait transporter des trucs dans l'espace. Et à un moment, ils se sont dit, on va pas survivre, parce qu'on va tous se noyer, ça va être horrible. Alors pourquoi pas, est-ce qu'on enregistrerait, on va dire, nos mémoires, nos stimuli... neurologiques dans une sorte de clé USB géante qu'on enverrait dans l'espace pour recréer l'humanité en quelque sorte. Et en fait, tout le monde est super content à l'idée de survivre dans l'espace en tant que robot avec des émotions, tout ça, bordel, mais sans avoir l'opportunité de procréer, ce qui est à la base. Qui est la base de tout être vivant, je suppose, sur cette Terre. Qu'en gros, ils sauvegardent des données informatiques d'humains dans l'espace sans pouvoir en faire grand-chose et être persuadés que c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. C'est complètement pété. Mais alors, pété, hein. Je sais pas ce qu'ils fument. Et ils ont fait une sorte d'arche informatique qui leur donne une idée des habitations dans laquelle ils vont virtuellement habiter. Ouais, et ça, c'est les schémas de la clé USB dans laquelle est le cerveau, je suppose. Ça, c'est quoi, ça? Si vous les suivez, vous êtes un con. Si vous avez réussi à accéder à l'arc. Cette enquête a pour but de permettre aux développeurs de mieux comprendre vos expériences subjectives afin d'améliorer votre bien-être. Comment décririez-vous votre condition physique? Je me sens revigoré, une version améliorée de moi-même. Je me sens bizarre dans le corps de quelqu'un d'autre. Je ne me sens pas moi-même, je ne suis pas une vraie personne. Ben, ça me semble évident, enfin je pense. Comment décririez-vous votre état mental? Ben, je suppose que si on enregistre un état mental en particulier au moment d'entrer les données dans la clé USB, ça dépend, on a intérêt à être de bonne humeur, parce que sinon le voyage il va être compliqué. Se suicider par clé USB, ça doit être compliqué, je suppose. Enfin, le libre arbitre, il devient quoi, du coup? Ça, c'est pas possible. Je suppose qu'on peut répondre 2. Je déclos la clé sans faire retirer le périphérique en toute sécurité. Ouais, ça doit être ça. En vrai, quand tu décides de te suicider, t'as genre un message de service dans l'ordinateur qui te dit « Vous n'avez pas retiré correctement votre clé USB » ou quelque chose comme ça. Comment décririez-vous vos sens? Ben, c'est pareil, comment est-ce que tu veux décrire un sens quand t'es informatiquement, virtuellement, vivant?
Bah oui. Comment décririez-vous ce que vous ressentez dans votre nouvel état? Bah, on peut pas être déprimé non plus. On sait que tout est faux, mais en gros, on a la même. Enfin, on peut même pas dire que c'est déprimant. On sait pas si c'est déprimant. Pareil, comment est-ce qu'on peut dire que tout est artificiel si on a des illusions? Le fait de ne plus être complètement humain ne vous perturbe-t-il pas? Comment percevez-vous votre nouvelle existence? D'après vous, cette nouvelle vie vaut-elle la peine d'être vécue? Bah oui. Et pour le coup, ça tombe, j'imagine, mais il doit y avoir. En fait, j'ai peut-être pas fait ça anodinement, en fait, j'ai dû répondre, mais en vrai, ça doit avoir une influence. Enfin, j'espère que ça a une influence sur le jeu. C'est très. I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Il y a un truc là. Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Ah d'accord. Donc ça c'était la voie lactée, enfin c'était pas la voie lactée, c'était notre système. Et donc là maintenant, on sait que le Ark est sur la Terre et on doit savoir où il est. Je suppose que je suis dans l'océan Atlantique, donc je vais être quelque part là, là, à peu près. Ou là. Ouais, c'est évident. Hein. Ah ouais, la vache. D'accord. Du premier coup, tiens. I found it. It's at a site named Tau. Oh no, it's on Earth. It's so close to fire, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Je comprends rien. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et je vois pas ce que je peux faire d'autre là. Je suis à l'infirmerie du site Tau. Take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine, this is what you wanted to do, your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the abyss. Can't take the climber without a power suit. Quoi? We'd probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay. So we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget.
tower. What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. J'avoue, je sais pas quoi dire. Sincèrement, je viens de me faire mindfucker, mais alors... À 2 minutes. Genre, tu crois que je connais cette base, moi. Quoi? En plus, le mec, il est pas sûr de lui, quoi. Deux minutes, je sais pas où vous êtes. Ah. Bonjour madame. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Ok, donc j'ai une sorte de GLaDOS avec moi. Avec la musique de Vangelis en fond, ça rame, je sais pas pourquoi. On a strictement aucune raison de ramer d'ailleurs. Je sais pas s'il faut que je continue par là. Et j'avoue, j'aime vraiment pas ça. Mais non, faut pas que j'aille là, j'en viens. Ça va, ça vous plaît au fait? Je ne vous ai pas oublié, hein. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'avoue, ça commence à m'intéresser. Bien comprendre un peu. Bon. Je suppose qu'il n'y a plus rien du coup. Plus rien à faire. Notre 92 FAR, il n'y a rien à faire. Bon, là je peux pas sortir. Ah si. Et c'est reparti. Ça me donne envie de lire du Philippe K. Dick. Et on salue Jack Warrior, le patron du Topic Stream, qui s'est lancé dans un jeu. Et qui gère très bien le Topic d'ailleurs. Ça. C'est quoi? What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Non, trop bien. Ah non, apparemment. Sorry, it's dead. Worth a shot. The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Okay. Ça va, vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas trop intrigué par l'intrigue, justement. Enfin, pas trop. Pas trop émoustillé, parce que moi, j'avoue, moi, je suis. Pas largué, mais.
un peu... Oui, voilà, c'est ça. Je suis à fond, et... mais en même temps, j'aimerais comprendre. Je... L'histoire se... L'histoire se laisse découvrir. C'est déjà un peu plus intéressant que « Oh mon Dieu, je vais mourir, oh mon Dieu, je t'aime. » Moi, je suis le vert. J'avoue, je... Qu'est-ce que c'était que ça? C'est vraiment très inspiré de Philip K. Dick. Il y avait une nouvelle qu'il a écrite dans les années 50, où en fait un vaisseau humain, dont l'équipage avait des habitudes cannibales, a découvert une planète et s'était posé sur une ville qui ressemblait étrangement à New York. Et en fait, on se rendait compte que c'était un... C'est que le vaisseau était allé tellement loin dans l'espace qu'ils avaient sauté une bulle dimensionnelle, et qu'en fait ils étaient arrivés sur la Terre qui était complètement polluée par du cuivre. Ou quelque chose comme ça, c'est très intriguant comme nouvelle. Surtout qu'en plus Philip K. Dick, c'est quelqu'un qui est pas... C'est pas un écrivain qui a l'habitude d'avoir comme thème l'espace et les dimensions. C'était très très curieux. À la fois très intéressant. Et là, je dois dire que ça respecte assez... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette nouvelle-là, mais ça ressemble un peu. Bon, pas dans les grandes largeurs, mais ça l'ambiance, en tout cas, doit y être pour beaucoup, même si on est sous l'eau, et je parle de l'espace, mais... En tout cas, je comprends pourquoi, du coup. Enfin, ça vaut toujours le coup de jeter un œil aux jeux qui sont pas trop estampillés, comme quoi. Là, j'avoue, je sais même pas ce que je fais ici. Y'a rien, là. Ah, si. Il faudrait au prochain stream que je vous lise la critique qu'a faite Canard PC, parce que elle était intéressante. Elle était très intéressante. Ah non, mais faut arrêter avec avec les musiques à la con, ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai enlevé la capuche de mon survêt, tiens. Ça me faisait penser à la silhouette, elle me faisait penser à la silhouette qu'il y avait dans l'affiche du film de John Carpenter, The Thing. J'avoue, ce film ne fait pas peur, mais j'aime pas trop. Ah, Bohemian Raps. Ah tiens, au prochain stream, c'est toi qui t'y mettras, tu me diras ce que t'en penses. Bouh, ce film me terrifie. Oh, ce film n'est pas si terrifiant. Il est impressionnant, on va dire. Il prend au dépourvu. Ah ouais, tiens, une partie du stream, c'est toi qui tu vas m'aider à commenter, tiens. Bon, arrêtez. Ah, qu'est-ce que... Putain de merde. Oh, il y a un poisson. Un requin. Requin marteau, d'ailleurs. Et franchement, s'il y a des animaux sous l'eau, c'est qu'il y a encore peut-être de la chance sur Terre. Hein.
Faut pas être pessimiste à ce point-là. J'ai l'impression qu'il va venir me bouffer, ou alors c'est un skin, ou je sais pas. Je vois rien du tout. Bon, il nous refile un petit coup de frayeur ou bien? J'avoue, du coup, maintenant, j'arrête pas de regarder derrière moi. Je me rassure en me disant que c'est le monde de Nemo. C'est un peu différent tout de même. Les couleurs sont carrément moins criardes. Ça suffit avec les petites musiques, s'il vous plaît. Ok. C'est un peu stressant. Ce sont des ballons très susceptibles, vaut mieux pas trop les titiller. Donc vous faites des citations de Nemo devant un jeu d'horreur, n'est-ce pas? Putain la vache, il a des bras à rallonge. Oh, ça rame. Mesdames et messieurs, pouvez-vous optimiser votre jeu, s'il vous plaît? L'avantage, c'est qu'il n'y a pas 36 000 trucs à ramasser, c'est ça bien, ça qui est bien aussi. En fait, t'as raison, cool, avec ses bras allongés, c'est peut-être le Slenderman. Moi, je commençais à avoir peur de trouver des trucs derrière les portes, là. J'avoue, je suis pas à l'aise. Les petites apparitions sous l'eau m'ont bien mis, là. Mais je sais pas, la durée de vie... Kinanishka, toi qui as fait le jeu, ton avis, il faut combien de temps de bordel de merde, de cul, de chiottes, de bites? h 10h. Je te remercie, tu as compris ma question malgré ma peur. Ah d'accord, il faut pas regarder dans les yeux, d'accord. Ça marche. J'ai horreur de ça. Viens me frapper, viens me frapper, viens me frapper. Saloperie, va. Allez, viens. J'avoue, j'ai fait genre le mec qui avait des couilles, mais en réalité, je suis loin d'emmener large. Ah, oh, ça va pas recommencer.
Ah bah je crois que je suis mort. Ah oui, je suis mort. Bon. Il y a un truc que je sais sur ce jeu, c'est que le monstre n'est pas dangereux. Non, pas dangereux, il vient juste de me tuer. En fait, il te frappe une fois, puis après, c'est bon, quoi. Contrairement à l'alien où il faut qu'il bousille plusieurs fois avant. J'ai lu un truc comme quoi il t'aggro une fois et il se casse après. En fait, j'ai le droit à deux coups. Mais j'avoue, il met pas à l'aise, hein, cet enculé. Et du coup, comment je fais pour l'éviter? Je suis vraiment pas à l'aise. Soyons clairs. Non, arrête avec ça. Oui, bah, c'est ça, hurle. Oui, hurle, vas-y. Putain. Mais comment on fait pour les éviter? Il y en a deux ou quoi? Je les entends s'approcher. J'avoue, j'ai pas trop envie de me retourner. C'est Tandax là, hein. J'avoue, je... Je sais pas trop ce que je fais là. Apparemment, ils ouvrent pas trop les portes, c'est pas leur délire. Ou alors si, c'est leur délire. Je sais pas, ça... Il y en a un tout près. Bah fouiller, je veux bien, ouais. Ah!
Je m'en fous, je veux pas savoir. Juste casse-toi. Il est ouvert la porte, ce con. Oh. Merde. Casse-toi, putain. Sérieux, casse-toi. Casse-toi, je t'ai dit. Casse-toi. Ça y est? Non, c'est pas... Non, non. Mais c'est pas ça, mais c'est que j'aimerais bien passer quand même. Bah comme tu veux, eh, prends-le comme tu veux. Hein. Tu te calmes maintenant. J'ai dit de t'en aller. Merci de t'en aller. Ah non! Putain, je vois rien. En fait, il fait une ronde. Le gros problème, c'est que je sais pas comment il l'a fait. Et je sais pas dans quel sens aussi. Alors un coup je peux l'avoir dans le dos. Enfin un coup il est... Je suis derrière lui. Et un autre coup, bah... Je suis devant lui. Et là... Mais je crois que c'est le seul itinéraire pour le passer. Hein. Honnêtement. Et en fait il s'arrête près de là où je me suis. Et il doit reprendre sa ronde plus loin après. Donc là, genre, je dois attendre encore un peu. Et là, après, je dois y aller, je suppose. Ouais, c'est ça. Oh putain. Ça devient intéressant. Faudrait juste qu'il passe pas par là en fait. Ça serait bien. Mais du coup, moi je comprends pas du coup pourquoi est-ce qu'il faut se cacher particulièrement vu qu'on est un robot et que techniquement on ne meurt pas. Enfin en tout cas l'enveloppe meurt mais nous on reste. Ça doit être le même cas pour eux. Et pourquoi est-ce qu'il y a des robots qui sont plus belliqueux que les autres? Alors je dis ça sans connaître au final. Hein. Là, dans l'immédiat, j'aimerais bien juste qu'ils se barrent. Va-t'en, je t'ai dit de t'en aller. Oh, puis il fait des bruits horribles, putain. On se croirait dans The Thing, là. Oh, putain. Ça y est, il va s'énerver pendant 10 minutes ici.
On ne s'est pas vu. Ouais. J'avoue, je sais pas trop quoi faire là. Je suis rentré dans la pièce dans laquelle il fallait plus ou moins que je rentre. Bon, je sais pas trop quoi faire. Alors, il paraît qu'il faut pas le regarder dans les yeux. Donc du coup je baisse les yeux et il arrête de m'emmerder, c'est ça? Mais du coup il va me toucher, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Ok, il est tout près de moi, il est genre à 2 mètres. J'ai compris. Oui. Il faut pas que je bouge, faut que je ne regarde rien du tout. Là, il s'en va. J'ai compris, il s'en va. Oui, va-t'en. On a compris que t'étais contrariance. Donc à mon avis, il y a une stratégie. Il rentre dans le bâtiment. Je ne devrais pas le regarder. Il fait le tour à l'intérieur. Et logiquement, après, je devrais pouvoir me retirer. On va essayer, hein. On va essayer. Ouais. Ok, le mec il me téma quand même. Hein. C'est les déménageurs de l'extrême ou quoi? Je sais pas, mais... J'avoue, j'aime pas. Donc là, il s'est barré. Je sais pas où il s'est barré. Mais c'est l'occasion de retourner là où j'étais. En espérant qu'il revienne pas par ici. Parce que j'ai plus ou moins trouvé son itinéraire. Donc apparemment, ce couloir-là, il le bloque bien. Et c'est celui-là que je dois atteindre.
Et soudainement, c'est le silence. C'est chiant. J'aimerais bien pouvoir passer là, ça y est. Bon, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Voilà. Là, il y a un truc pour que je puisse mettre des watts, ça va aller mieux logiquement. Je crois que ça fait un... Je crois que c'est un point de contrôle. C'est parti. On fiste. Sans réfléchir. Je sais pas si ça a sauvegardé quelque chose, je sais pas ce que ça a fait, mais... J'ai l'espoir secret que ça a sauvegardé quelque chose. Il revient à la charge, l'enculé. Là, il est à proximité, mais logiquement, il devrait pas m'emmerder. Il sait pas ouvrir les portes. Ou alors il sait. Ouais, c'est... Ouais, pervers fister. En fait, ça pousse les gens à avoir envie de pratiquer le fist. Donc là, je suppose qu'il est genre à 2 mètres. Allez, va-t'en, casse-toi. Faut que ça fasse. Allez. Logiquement, ça devrait aller mieux là. Ouf. Oh là là, c'est d'un laborieux. Alors c'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est que j'aimerais bien que... Enfin, autant pour l'alien. L'alien, il a des... C'est pas... Il est pas scripté, mais il a des phases, quoi. Il a... Ah, il m'a suivi, le bâtard. Mais va-t'en, va-t'en. Il m'a suivi, c'est pas possible. Fist it yourself. Exactement. Ah. Ah non, il est toujours là. Ouais, c'est pas le moment d'ouvrir. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, une fois qu'on connaît, enfin... Le temps de s'habituer à ses patterns et logiquement ça va mieux. Ouais, ouais. Allez, va-t'en. Mais le problème c'est qu'il est un peu cheaté quoi. Il était à l'autre bout de la pièce tout à l'heure et il m'a suivi, genre. Enfin, je sais qu'il est capable de se téléporter, je l'ai vu. Mais bon. Oh merde. Oh! Ah mais le mec il m'a ouvert la porte et puis il m'a tapé dessus quoi. Dans le plus grand des calmes. Oh puis je m'en fous maintenant, j'y vais. Allez. Mais oui, absolument. Vite. 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 Merci.
Oh, oh. Enculé. Oh. On a combien de live? 2 heures. Bon, j'imagine que j'ai pas beaucoup avancé. Est-ce que je vais prolonger un peu de 20 minutes, peut-être? Ça vous dit ou pas? Dites-moi. Dites-moi tout. Si je prolonge de 20 minutes, est-ce que ça vous irait? Allez, bon, on est parti alors. Prolonge de 20 minutes. Exactement. Bon, après, j'ai pas d'horaire, hein, donc vous me dites, hein, si ça vous plaît, on continue. Si ça vous plaît plus, on reprendra plus tard. J'utilise quoi pour streamer? Alors, j'ai toute ma configuration qui est en bas, logiquement. En bas de l'écran. Donc, en dessous du profil, enfin, dans le profil, quoi. Il y a ma configuration. Et il y a mon micro aussi, donc un tout dernier, donc c'est un Zoom H2, ouais, il est assez vieux. Sinon j'ai une 780 Ti DC2 de chez Asus, la carte mère je sais plus ce que c'est. Et puis sinon bah, j'ai une connexion free, qui est pas réputée généralement pour sa stabilité, mais bizarrement la mienne elle est. Je vais pas me plaindre. Et j'ai 16 Go de RAM aussi. Et software, j'utilise OBS. Et j'ai un bitrate de 3000. Parce que j'aime bien la qualité. Mais j'avoue, j'ai mis 3000 comme j'aurais pu mettre 15 millions. En fait, je m'y connais pas. J'ai juste vu ça. J'ai juste vu ça vite fait sur un tuto. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer à 3000. Et puis j'ai vu que ça marchait. Les gens arrivaient quand même à voir mon stream. Donc je suis. Donc j'ai laissé tel quel, quoi. Je me suis pas trop pris la tête, j'avoue. Enfin, si au début, un peu, pour essayer de voir que ça pour vérifier que ça fonctionnait bien et tout ça. Puis j'avoue, au début, j'avais peur, je croyais qu'il fallait forcément avoir un double écran, ou... Et voilà, quoi. De rien, de rien, de rien. Si je peux aider... Ah! Huh? What? Oh, you made it! This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. C'est mal barré, il y a du corail dans la capsule. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there. Like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. We need to get out of here. I know. I'm going. Oh. Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. Bon, bah c'est tout, hein. Donc il y a un monstre à droite. Donc en gros, faut que je regarde par terre. Mais c'est pas pratique de regarder par terre. Oui, j'avoue, je flippe un peu, j'aime pas trop. Surtout qu'il n'y a pas de système pour se cacher efficacement, c'est surtout ça le problème en fait. Si encore il y avait un bon système comme dans Alien Isolation, j'avoue, je kifferais sans doute un peu plus. Mais là, j'avoue, c'est très rigide. Bon, il m'a frappé. On m'emmerdera sans doute plus.
Non mais je te vois pas, t'inquiète, je te regarde pas, on se voit pas, on se capte pas. Y a pas de problème. Va-t'en. 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 Bah moi je l'ai pas vu, et c'est bien comme ça. On va se fister entre nous dans une colonie de vacances, comme on dit dans les YTP. Hein? Non, non, mais on se voit pas, mec. T'inquiète pas. On se capte pas, on se voit pas. Tu t'en vas. Non, tu t'en vas. Allez, va-t'en. Casse-toi. Allez. On va manger du saumon. Enfin, on est dans la mer, il n'y a rien. Il n'y a pas de saumon, mais... Mais bon, voilà, quoi. Arrête de crier. Ah putain! Bah allez, viens, vite, dépêche-toi! Allez! Débrouille-toi! Oh! Oh! C'est pas vrai, là! Ah, mais je vous jure! Deuxième mort! Bon, logiquement, si je rush comme un malade, ça peut marcher, vous croyez? Allez, ouvre-toi. Genre là, j'y vais. J'y vais à fond de balle, comme ça. Ça va pas marcher du tout. Bon, si, tant qu'à faire, allez. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Bon, merci. Maintenant, j'ai vu que cette pièce ne servait strictement à rien. J'y vais à la marche. Oh, je boite. Oh, c'est terrible. Genre voilà. Genre on peut monter. Genre voilà, maintenant j'y vais. Hein ? Je peux pas fermer la porte. Je monte les escaliers là, voilà, t'as vu. Ça va devenir tendu? Au calme. C'est sympa de me prévenir tout de même. Donc là, je sais pas trop où je suis. Hein? Je suppose qu'il va falloir que je lance une procédure d'urgence, une conne comme ça, la alien. Tu vas me dire un truc, vas-y, je t'écoute. Enfin, je te lis. Essaie de te souvenir du chemin que tu empruntes maintenant. Ça augure rien de bon. Mais alors, rien de bon. C'est pour ça que j'ai mis sur pause, parce que ça n'augure rien de bon. J'aime bien ce petit message qu'il ne faut pas du tout l'attention. Ouais, grave. Merci. Donc souviens-toi de ton chemin. Donc genre je peux plus reculer tout ça. Bon genre je vais tout de suite enlever les réacteurs quoi. Hein? Donc il faut que je fasse demi-tour, hein, c'est ça? C'est ça que j'ai bien compris, hein. Je suis dans la merde ou... Euh...
Non! Casse-toi! Oh! 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 Can you steer this thing? Starboard rudder is choking, but I can compensate. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta. Should be a matter of minutes. I thought I was done for back there. Seems like the WoW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon. What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WoW. Station-wide? Ah, d'accord. So we just made a powerful enemy. No, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like a cancer. Ah, donc ça explique la présence de robots un peu dégénérés. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Bridge, fire back! Oh, mais c'est fantastique. J'aime bien ce petit message d'espoir, tout ça. Oui, j'ai fait des petits bruits bizarres, mais j'avoue, petit coup de tension, ça m'a rappelé Alien Isolation, j'avoue. Et j'ai eu peur parce qu'à un moment, j'ai été bloqué. Mon personnage a été bloqué contre un mur, et j'ai vu les jambes du mec, et j'étais genre, mais j'étais affolé. Même sensation que dans Alien Isolation, je retire ce que j'ai dit. À moindre mal, par contre. À moindre mal, parce que j'ai eu plus peur dans l'isolation. Oh. Je suis tendu, j'ai les jambes qui flagellent, je suis assis, pourtant. Fouh. Oh. Allez. On va essayer de reprendre un peu. Là, je sais pas trop dans quel sens je suis. Faut que je fasse l'action de me lever. Ah, donc je nage. Bon, bah ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Petite musique sympa. Oh, hey little guy. Didn't expect to see you again. Bloqué. Don't worry, Kat. I'll find a way to Thea. Pas du tout, je suis. Un crabe qui marche comme ça. Sérieux? C'est bien ces petits moments d'accalmie comme ça. Ah, je croyais que j'étais déjà accroupi. Ouais.
c'est pas mal. Oh, baleine. Baleine. Je dois y aller, mes chers amis. Cool moustache, gracias pour le stream. C'était sympa, vivement le prochain. Je te tiendrai au courant. Enfin, je vous tiendrai au courant pour ceux qui s'en vont. Bon, je vais encore rester, on va dire, 10 minutes et puis. Donc, il y a un robot là qui parle tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bonne nuit de double cheese. Et merci, hein. Coloré que les autres, celui-là. Ouais, c'est ce que je me disais. Tu restes avec moi ou tu t'en vas? Tu vas rester avec moi. Ouais, tu vas rester avec moi, c'est bien. Ah non, il rentre pas. Je crois que j'en ai besoin. Un petit coup de fist. Pleine phase d'exploration. Bon, on a fait les petites 20 minutes de rab. Je suis pas trop mécontent du chemin qu'on a pris, de tout ce qu'on a fait. C'est pas mal du tout. Sauvegarder, quitter. Oui, je vérifie 2 minutes et puis après on va se toucher 2-3 mots et on va arrêter le stream. 23h02, c'est bon. Voilà. Hop, au revoir. Bon, sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça ressemble à un Alien Isolation avec le scénario d'un Philip K. Dick qui est un petit peu de Bioshock, j'avoue. Et c'est très plaisant à jouer au final. Je pensais que j'allais pas avoir peur. Parce que j'ai déjà eu peur dans Alien Isolation avant, au bout de... Avant même 3 heures de jeu. Et là, j'ai... Bon, là, j'ai... Ça met du temps à se mettre. La mécanique de jeu est pas compliquée, mais il faut... Elle est individuelle, c'est-à-dire qu'elle est, elle lui est propre. On a des bons coups d'adrénaline, des bonnes sensations. De manière générale... Bon, pour le moment, les décors sont pas trop... Comment dire, sont un peu répétitifs. Je pense que c'est l'inconvénient de faire un jeu sous l'eau. Je sais pas trop quoi espérer de la suite.
Je sais pas trop quoi espérer. Mais en tout cas, je vais refaire un stream très bientôt. Peut-être même dans la semaine, je sais pas. C'est pas impossible que je refasse ça dans la semaine, peut-être jeudi soir. Peut-être jeudi soir. Et reprendre plus tard. Reprendre plus tard, parce que il faut absolument que je continue en live ce jeu-là. Je pense que ça peut être intéressant. Je pense qu'en plus, vous êtes intéressé. Donc, je suis plutôt content. Voilà. Donc là, j'arrête l'enregistrement du stream. Vous le trouverez sur HFR TV.